Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Hearthstone. Et on continue l'aventure dans le mode champ de bataille pour affronter de nouveaux adversaires. Un mode champ de bataille qui est quand même très très sympa. Tout le monde démarre sur le même pied d'égalité. Il faut jouer des tours et construire son jeu au fur et à mesure des tours. On se retrouve à jouer face à 7 autres adversaires, donc il y a 8 candidats pour une seule victoire finale. Et le but, c'est, on a des points de vie, c'est de faire perdre l'adversaire, de l'amener à 0 point de vie. Enfin, on affronte les adversaires les uns après les autres, de toute façon. Oh, ça c'est lourd, ça. Lui donne un DTK au prochain serviteur que vous achetez pendant ce tour, ça m'énerve chaque tour, non, ça m'intéresse pas. Lui, 2 bananes non plus, mais lui, il donne 1-1 à un serviteur allié, se répète 0 fois, en fait. Alors, il a un coup de 2. Mais l'intérêt, c'est que oh, la première fois que je joue, il va donner plus 1 d'attaque et plus 1 de défense à un serviteur au hasard. Et la deuxième fois, ça sera plus 2, plus 2, et ainsi de suite. Ah, voilà mon commandant préféré. Donc, en fait, c'est super, super intéressant, les amis. Donc là, je vais faire ça. Je vais prendre lui. Tant pis. La dernière fois, j'avais tenté le coup de le jouer dès le début. En fait. Finalement, là, non, je vais changer d'avis, je vais pas, on va pas le jouer tout de suite. Mais ça, je crois que ça m'avait réussi. J'avais tenté ça une fois, ça m'avait plutôt bien réussi. Là, je vais jouer à partir du tour numéro 2. Donc, je vais pouvoir vendre lui. Alors, j'espère que j'aurai un serviteur intéressant. Si j'ai pas de serviteur intéressant, je vais pas pouvoir forcément le jouer au tour numéro 2. D'accord, ça c'est. Lui, il commence par lui. C'est pas grave si je perds des points de vie, c'est le début. Ça m'est même arrivé de gagner des combats alors que je me suis retrouvé. Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien? Oui, ça se passe très bien, voilà, c'est ça que je voulais. Allez, hop, on va lui. Et là, je vais mettre, parce que maintenant, je veux bien perdre des points de vie, mais faut pas tout perdre non plus, hein, voilà. Faut que je les gèle. Ouh, j'ai failli faire une boulette. Voilà. Si je les gèle pas, ça va les basculer au prochain tour, ça sera d'autres. Et je veux pas que ça soit d'autres. Ceux-là, ils me vont très bien, de serviteur. Continuez comme ça. Donc le démarrage est plutôt intéressant. Alors à lui, lui il est dangereux parce que il donne un bouclier divin à ses serviteurs. Vos serviteurs donc, il ont est vraiment plutôt dangereux et embêtant. Alors je vais mettre là. Avant de prendre lui, parce que il faut que je les équilibre, parce que lui si je le prends et qu'après j'en ai un troisième, quand on en fusionne trois en même temps. Ils perdent en attaque et en défense, donc autant avoir deux types différents, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous allez voir, il va se lancer et je vais avoir deux fois +1/+1. Bon, c'est aléatoire, je sais pas sur quel serviteur. Peut-être les deux, un de chaque côté, je sais pas. Ou deux en particulier, on va voir. Continuez comme ça. Voilà, ça a été un de chaque. Et là, c'est très intéressant. Super démarrage, franchement. Alors, par contre, comme je joue, j'utilise deux pouvoirs chaque tour. Vos serviteurs ont vraiment je ne peux pas forcément. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je gèle pas. Lui, il est pas mal, lui aussi. J'ai envie de le garder. Je vais le garder. Je le garde. Je vais faire en sorte qu'il reste sagement où il sent. Ça me fera un nouveau type et c'est plutôt intéressant d'avoir des types. Alors, pourquoi je sélectionne que les serviteurs avec provocation? Parce que ils sont en fait les serviteurs qui ont ce bouclier. Quand on joue au combat, l'adversaire est obligé d'attaquer un serviteur comme ça. En premier. En premier, donc. Moi ça m'intéresse. Ah,
travail. Continuez sur votre lancée. Oh, c'est intéressant. Lui est intéressant aussi, on va me donner 2-2. Ok, ça se passe très bien. Donc là, maintenant, je vais prendre ces deux-là. Et puis le tour d'après, par contre, je changerai. Je vais essayer d'aller au niveau 3. Et rapidement au niveau 4 pour récupérer deux serviteurs en particulier. Alors le serviteur au niveau 3, c'est celui qui, à chaque fois qu'un serviteur avec bouclier divin se fait attaquer avec provocation, lui donne 2 points de vie ou voire plus. Et s'il va au niveau 4, c'est qu'à chaque fois qu'un serviteur avec bouclier se fait attaquer, il gagne un point d'attaque, un point de défense définitivement. Et ça, c'est très très sympa de les jouer avec ce personnage là que j'ai. Je sais pas comment il s'appelle ce personnage. Et voilà. Ça, c'est vraiment très sympa. Là pour l'instant je domine, mais attention, j'ai pas affronté c'est lui qui m'avait fait perdre de la vie, je pense. Vos serviteurs ont vraiment il est premier alors que je l'ai battu. Bon bah voilà, c'est comme ça. Je vais pas le poser parce que si je le pose, il peut avoir des améliorations +1/+1 et ça ne m'intéresse pas. Donc je vais le garder, je suis pas assez prêt pour jouer le prochain coup. Et le prochain coup, par contre, je vais changer de niveau. Là, c'est plus intéressant. Alors, ça dépend ce qu'il m'a proposé, parce que s'il me propose un triplé, je vais pas m'embêter à changer de niveau. On va voir, tout est possible. Lui, il avait gagné, mais là, il a bien perdu contre lui. Lui qui se rattrape. Lui, ça m'intéresse qu'il soit éliminé, c'est peut-être pas plus mal. Je crains à chaque fois ses boucliers divins. Lui, il avait battu lui, -7. Quand même. Et lui, il a battu lui, après, il a perdu contre lui. Ah ouais, mais attends, il est niveau 4, lui, maintenant. Oula. Que ça se joue. Bon travail. Continuez sur votre lancée. Oui, mais il y a lui en plus. Ça, c'est pas mal. Ah là là, je le prends. Tac. Allez. Et encore un client satisfait. Tac. Et je change de niveau. Je suis niveau 3. Donc ça, c'est important. On va voir ce que ça va donner, les amis. J'ai beaucoup aussi de serviteurs démons. Donc je sais que ça peut arriver qu'il y ait des personnages, des serviteurs qui donnent de l'attaque. Mais que j'en ai pas, donc... ça, c'est... Il n'y a pas de type spécifique. Eux, c'est démon, là, c'est dragon. Par contre, lui, depuis que je l'ai, il n'a pas eu une seule fois le 1+1+1. C'est un truc de fou, il n'a pas évolué du tout. C'est dommage. Ah bah ça y est. Quand même, hein, parce que... Alors, qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Il invoque les personnages en double. Lui, il va être pénible, hein, lui. Ouais, ok. C'est
c'est l'autre qu'il faut avoir, les amis. Aïe, aïe, aïe. Ça fait un peu n'importe quoi, c'est lui qu'il faut avoir depuis le début. Vu la question, on se posait même pas, c'est dommage. Il y a un match nul, mais ça s'est mal goupillé. Après, ça se reproduira pas forcément autant d'après, parce que moi, je vais continuer d'évoluer. Lui, c'est pas forcément le cas. Donc, je suis niveau 3. Donc, priorité, ça. Et puis après, on va aller chercher l'autre. Bon, je pense. Ah, bah, il y a ça. Ouh. Faire ça déjà. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. J'ai bien envie de l'utiliser pour lui, ça. Parce que si je fais des tripés, qu'est-ce que je fais? Je gèle, on risque. Après, je peux le vendre lui, ça m'augmente lui. Il faut voir. Je vais faire ça et je vais voir si je le lâche ou je le lâche pas après. On va voir. Lui, c'est un. Ah, donc, il est niveau 4 et puis. Bah ouais. Il a le pouvoir activé, donc il fallait tuer 25 serviteurs adverses et puis en fait. Ces deux serviteurs à droite et à gauche ont plus 3 à chaque fois. Ça c'est bien. Ça va. Je l'ai eu. Par contre, c'est un moment charnière là. Il faut vraiment que j'évolue parce que sinon, je vais être coincé. Bon travail. Continuez sur votre lance. Je prends un risque là. Je prends un gros risque. Ah, super risque. Je peux pas. Aïe aïe aïe. Bon, pas le choix. Faut pas que j'attende un tour. Hop. Allez, viens. Quel serviteur va me proposer ? Bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Non, ça m'intéresse pas. À chaque fois qu'il lui donne deux nœuds, ça m'intéresse pas. Aïe, 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 c'est nul. J'ai pas rien d'intéressant. Dommage. Bon, bah, je suis un petit peu déçu sur ce coup-là. J'aurais espéré avoir un serviteur intéressant. C'est dommage. Je vais inverser, on va voir ce que ça va donner. Il est toujours là, lui. Et il a renversé la situation. Oh là 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 là, lui il est inquiétant. Voyons si vous parvenez à rester en tête. J'ai pas eu l'autre serviteur, c'est vraiment. Ça c'est un bon début. Il tape les deux plus grands. Là, je lui fais mal. Ça, c'est pas mal, ça. Vous vous débrouillez bien. Je prends le risque de passer. Allez, faut que je prenne parce que. Allez, on va essayer d'en avoir un. Allez-y, engagez une de ces recrues. Pas bien, perdu. Engager ce serviteur vous permettra d'en fusionner 3. Ah oui, quand même. Et puis lui, il a ça. Et puis je peux récupérer lui après. Il faut que je prenne. Et puis j'ai toujours pas les serviteurs que je veux. C'est dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Bon.
Là, je vais en fusionner. Je vais être un point charnière. Ah bon, on va voir ce qu'il vaut, lui, avec ses boucliers divins. Peut-être que je récupère l'autre. Il y a un personnage qui est intéressant, parce que quand il meurt, il fait moins 1 de vie à tous les serviteurs, les nôtres et les ceux d'adversaires, mais ça fait enlever tous les boucliers divins, en un coup. Ça, c'est pas mal. Ah oui, il a toujours moins 11, et là, il a bien évolué, quoi. Ah, lui, il a bientôt perdu. Ah, par contre, là, il a perdu 6 contre lui. Ils ont tous pas beaucoup. On n'est que deux à avoir beaucoup. Et puis après, c'est 14 points de vie. C'est que dalle. S'ils pouvaient s'anéantir entre eux, mais que moi, je finisse déjà dans les 4, ça serait super intéressant. Vous êtes en tête. C'est dans la poche. Voilà, voilà, c'est ce que je craignais. Ah ouais, bah ouais. Bon, ça c'est pas vrai. Ça va. C'est moins bien, c'est pas terrible. Ouais, ok. Ah non, non, un point de vie près. Mince, mince, mince. Bon, ça s'est pas joué à grand chose. Dur combat. L'important, c'est de vite se remettre en selle. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il faut tous les tuer! Pas mal lui quand même, hein. C'est le secret que nous avons encore à découvrir. Je devrais le prendre, mais bon, après, il va falloir quand même avoir des serviteurs intéressants. On va prendre à la place de lui, en fait. Bon, on va voir. J'espère que lui va pas trop progresser. On va voir ce que ça va donner. Ok, lui, il va progresser aussi. C'est comme ça, hein. Mais c'est chaud patate entre nous deux. On est plus que 4. J'affronte qui? Vos serviteurs ont vraiment tout prendre, donné. On va commencer, on va déjà enlever. Non, lui. J'enlève lui. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. C'est catastrophique, les amis. Bon, je vais rapatrier lui. J'arrive pas à avoir les personnages qui me permettraient de progresser. Donc là, je vais perdre.
Je vais me faire dégommer, je vais finir par me faire dégommer. C'est dommage. Vraiment dommage, dommage, dommage. Je stagne. Moi j'ai que ça en plus, mais non, c'est. Moins 17. Ouh, à mon avis, je vais avoir chaud aux fesses là. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention! Ah non, mais il a perdu moins 17 contre un serviteur qui est éliminé. Qu'est-ce qu'il a foutu? Oula! Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai ramassé grave. Oh, j'ai perdu en un coup. Oh là là. Oh, dommage. Je suis troisième. Oh, j'ai raté le duel final. Troisième place. Ouais, je finis troisième. Ah, c'est dommage. J'ai pas évolué, j'ai pas eu les deux serviteurs que j'ai cherchés pendant super longtemps. Je les aurais eu, ça se serait pas passé comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Eh ben c'est pas grave, tant pis. Bah les amis, je vous dis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis, un combat, une vidéo, c'est plutôt sympa. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.